Ce soir, en direct lors du prime de la Star Academy, Axel a été pris par une immense émotion. Alors qu'il croyait chanter en duo avec Pierre, CEST Florent Pagny qui a débarqué par surprise. La Star Academy a conclu sa semaine spéciale Destin lié avec des duos évalués et des nominations qui ont ajouté une forte tension à la compétition. Alors que le tandem Candice et Pierre a captivé le public et a été surnommé Candière, d'autres binômes ont été confrontés à des nominations. Julien et Clara, après avoir été nominés par les professeurs, ont suscité des émotions fortes, Clara exprimant son mécontentement face au manque d'investissement de Julien. Marie-Maude et Elena, critiquées par Michael Goldman lors de leur évaluation commune, ont également rejoint les rangs des nominés. Lors du quatrième prime, diffusé le 25 novembre, les téléspectateurs doivent décider du sort de ces candidats pour la suite de l'aventure. Le prime des destins liés, les duos nommés vont présenter des performances passionnées lors du prime, chacun choisissant des chansons significatives. Elena et Marie-Maude ont opté pour If I Were a Boy de Beyoncé, tandis que Clara et Julien vont interpréter I'll Stand By You du groupe The Pretenders. Une nouveauté, la battle secrète, a ajouté une dimension intrigante à la compétition, chaque duo préparant deux chansons, l'une pour une performance vocale et l'autre pour ambiancer le plateau. Les titres choisis par les candidats sont restés secrets jusqu'à leur présentation devant le public. Elena va reprendre Heurte de Christina Aguilera, Marie-Maude chantera Flamme de Juliette Armanet, Julien doit performer avec ces gens-là de Jacques Brel, et Clara sur une League Girl de Rihanna. L'immense émotion d'Axel qui découvre qu'il ne chante pas avec Pierre mais avec Florent Pagny. Dès le début du prime, Axel, qui a eu la chance de rejoindre la troupe du Roi Lion lors d'une représentation au théâtre Mogador, a eu une énorme surprise. L'élève a cru chanter en duo avec Pierre la chanson Les Murs Porteurs de Florent Pagny, mais à la place de son camarade, CEST l'interprète original qui a fait la surprise de sa présence. Je me suis dit mais il se passe quoi, essaye de pas t'effondrer de suite, c'était mon rêve, je suis très ému, a réagi Axel. Florent Pagny a été ravi de retrouver le plateau de la Star AC, on m'a appelé il y a 3 jours, j'étais le premier parrain et il y a 22 ans, quand ton programme continue à exister il faut lui rendre hommage, alors j'ai dit ok. Les internautes ont aussi été bouleversés par ce grand moment d'émotion, Adeline Tony Outy était en larmes.